Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à F1 2000 sur PlayStation 2. Un jeu qui, ma foi, ça fait longtemps que je voulais essayer, puisque bah avant je n'arrivais pas à le faire tourner tout simplement. La version next-gen de l'époque, en tout cas, de F1 2000. De EA, je précise, hein, pas de Sony. Alors, le version PlayStation avait été une très très bonne version, même si elle souffrait d'énormes problèmes de framerate sur la console 32 bits. Ici, on est sur la version 128 bits, et vous allez le voir, on a fait un step en avant assez énorme au niveau des graphismes. On va donc découvrir ça ensemble. On peut choisir la langue, on va mettre le français. Alors, on peut choisir d'activer la sauvegarde auto ou la désactiver. On va la désactiver pour le moment, on va pas faire de sauvegarde. Voilà. Donc, avec bien évidemment les licences de la saison 2000 au complet et un jeu qui est un peu plus à jour que une des deux versions de la version PlayStation, puisque vous allez le voir, on a Arrows qui a enfin la bonne voilà la bonne livrée, on la voit ici. Et pour le coup, on va pouvoir commencer. Alors, on peut choisir, on va voir dans les options un petit peu. On a les options de la manette ici, joueur 1, joueur 2. Donc c'est assez basique, accélérer, freiner, X carré. On peut tourner avec le joystick bien sûr. On est obligé d'utiliser la croix directionnelle pour aller à droite ou à gauche. On a les aides. On peut voir, vous allez voir qu'on va pouvoir régler après la difficulté. On a plusieurs configs. C'est-à-dire qu'on peut aussi s'amuser à freiner, accélérer avec carré et freiner avec X. Je vois pas l'intérêt. Et ensuite une autre variante où on accélère toujours avec X mais on freine avec rond et on peut mettre le mode film avec triangle. On va garder la première version. Voilà, c'est très bien. On va activer les vibrations. L'audio, la vidéo, on va laisser ça. Réglage de l'affichage. Bon, ça pas besoin. Les options d'affichage, on peut choisir si on met les infos de l'écran minimum ou complète ou aucune. On va laisser par défaut. On va regarder les panneaux, le panneau TV, on va filtrer, on va l'enlever ça par contre, parce que je pense que ça n'a pas trop d'intérêt, on les connaît. Format large ou normal, donc 16 neuvième ou 4 tiers, là on est en 4 tiers, donc on va laisser comme ça. On a la position de l'écran, on l'a déjà vu. On va faire retour. On peut changer la langue bien sûr. On a le choix du type de championnat et on a un mode départ direct et un mode multijoueur. On va faire un mode départ. On peut déjà sélectionner le pilote que l'on veut, donc avec tous les pilotes de la saison au complet. Et je vous propose de prendre. Écoutez, on va prendre cette fois-ci, on va prendre une Sauber, tiens, on va prendre Mika Salo. Et au début, on a quelques circuits disponibles, mais pas tous. Il faut marquer des points pour pouvoir les débloquer. On a la meilleure place qui s'affiche avec 0 points. Donc au début, si vous commencez le jeu, vous avez donc Silverstone qui est débloqué, Monza, Hockenheim, et ensuite, il va vous falloir des points, par exemple 2 points pour Imola, 5 pour la Ring, 8 pour Melbourne, etc., etc., etc. Et je pense que le dernier va être Monaco. Exactement. 100 points pour Monaco. Donc on va commencer avec un circuit au hasard. On va prendre Silverstone. C'est rare que ce soit Silverstone proposé en premier. Donc c'est parti, le chargement. Donc la première tentative next-gen de Ye Games sur la F1 hein. Avec la version PC. Bonjour, je suis heureux que vous soyez avec nous pour assister à ce Grand Prix ici à Silverstone, un circuit de 5 km 100. C'est le Finlandais Mika Hakkinen qui a réussi la pole position l'an dernier, mais c'est son équipier l'Écossais David Coulthard qui a remporté la victoire. C'est ici qu'en 1985, en qualification, Keke Rosberg sur William Sonda a bouclé un tour à la vitesse moyenne de 259 km/h, ce qui constitue un record tout Grand Prix confondu. Le jeune espoir Jenson Button sera sûrement très motivé devant son public. Cette course promet d'être grandiose. Et on a donc moncé au commentaire, pardon. Et là, par contre, on peut choisir directement gauche-droite. On peut s'amuser à choisir, avoir les places directement plutôt que d'attendre. Ça, c'est bien. C'est plutôt bien fait. Alors, vous avez vu, ça s'est coché assistance. On va vite les enlever. On va faire option de course au niveau des aides. On va les enlever. Hein. On va enlever les flèches, les aides, les rapports, on va les laisser en automatique. Au niveau du son. On va baisser peut-être les effets et mettre les commentaires au maximum.
Je trouvais le commentaire de Moncey assez faible, c'est dommage. Sauf qu'il fait des bons commentaires dans ce jeu. On peut voir qu'il y a pas mal d'aspects historiques qui est mis en avant. Et ça, c'est vraiment bien. Et nous, l'affichage, on l'a vu, donc on va retourner. Et on va faire continuer. C'est parti! Allez, c'est parti! Comme vous pouvez le voir, si vous vous souvenez des versions PlayStation, la framerate, elle est beaucoup plus fluide. Là, on a vraiment une fluidité assez extraordinaire. Et dès le départ, on se défait de tout le monde. Alors, je n'ai pas pu choisir le niveau de l'IA. Donc là, on est vraiment avec le jeu comme il est présenté quand vous avez acheté. Enfin, quand vous avez dû l'acheter, parce que je pense que maintenant, plus grand monde l'a acheté. On a plusieurs vues. Alors, vous allez voir, niveau vue, on est servi. On a la vue donc extérieure. L'extérieur, voilà, une vue encore plus éloignée, qui est plutôt bien rendue. Les 3D des F1 sont très bien faites, hein. Vous pouvez le voir ici. Franchement, ils ont fait un bel effort à ce niveau. On a une vue ras du sol, qui est évidemment la vue la plus rapide, enfin en termes de sensation de vitesse. On a une vue posée sur le nez, qui est plutôt bien faite aussi. Par contre, on a une vue, voilà, une vue intermédiaire, et à différence de la version PlayStation, on n'a pas de vue cockpit réellement. Donc ça, c'est vraiment dommage. Déjà, je comprends pas pourquoi il n'y a pas une vue cockpit alors qu'on a ça sur la version 32 bits, ce qui est pas logique. Et on retourne du coup avec la vue extérieure. Alors, première chose qu'on remarque quand on contrôle la F1, si on va gauche-droite, honnêtement, ça tourne très très vite. Là, ça se voit moins parce qu'on est en vue extérieure, mais quand on est en vue embarquée, vous voyez, c'est très très directif. J'ai l'impression que c'est un peu le même défaut que sur Formula One 2001. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un minimum précautionneux pour tourner, vous allez vite vous retrouver à traverser la moitié de la piste. Je vais changer de vue, on va mettre cette vue pour le moment. On est 9e. On reviendra un peu sur les graphismes après. En tout cas, pour le moment, au niveau de la difficulté, bon, je vous dis, c'est la première fois que je joue au jeu. Donc, on va pouvoir comparer avec la version PlayStation 1. Pour l'instant, c'est très facile. Enfin, au niveau du maniement, c'est très directif. On sent pas trop la. Ben, on galère pas beaucoup. Je sais pas comment vous expliquer mieux. Mais ça fait très arcade dans le maniement. Par contre, en termes de graphisme, vraiment, là, on va finalement en parler parce que. Bah là je pense que c'est un peu le moment d'en parler déjà. C'est très très propre. C'est très très... Il n'y a pas d'effet... Il n'y a pas d'effet particulier. Oui, on n'a pas d'effet de lumière, on n'a pas d'effet de flou. C'est très très sobre. Voilà, ils n'ont pas abusé là-dessus. Ils utilisent l'interface, en tout cas en bas, de la F1, si vous regardez la F1 à l'époque sur kiosque ou sur les chaînes allemandes. On avait un affichage un petit peu différent en France. Et là, on est en train de remonter tranquillement. Je ne sais pas qui c'est devant nous. Je dirais que c'est une Jaguar, peut-être. Je vois pas encore beaucoup. Ouais, c'est une Jaguar. Alors, par contre, premier défaut. Je pense que vous vous en rendez compte assez rapidement. Je trouve que le son de la F1 est pas très convaincant. Ça manque de mordant, ça manque d'impact. Alors, on a quelques bruits quand on a la décélération au niveau de la boîte de vitesse, changement de boîte, ça c'est pas mal. On a le reflet sur le casque aussi. Alors, c'est pas un reflet en temps réel, mais. Là, le reflet en temps réel, on l'aura un peu plus tard, je crois que c'est dans la F1 2002. Voyez, le son est un petit peu trop meuflé, trop adouci par rapport à la réalité. Alors, on a toujours ce son 3D, c'est-à-dire que suivant la caméra, on a quand même une petite différence, mais c'est moins marqué que sur la version Player. Et honnêtement, je trouve la version Player, alors certes très vieille par rapport au graphisme, mais je trouve qu'ils ont fait plus d'efforts sur la version Player que la version PS2. Oula, c'est touché. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de dégâts pour le moment. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu normal, puisqu'on est en mode. Je pense que c'est un peu le mode arcade là qu'on est en train de faire. Alors, une vue arrière, voilà, qui change suivant la vue que vous avez choisie à la base.
Alors, je ne freine quasiment pas. Hein. Dans les virages, juste à ralentir simplement. Et d'un seul coup, on a un frein moteur qui nous aide vraiment à perdre de la vitesse. Et les freins sont pas super efficaces non plus. Je n'ai pas pu régler aussi la monoplace, hein, donc au niveau des settings, on est par défaut. Ce qui est logique en soi, puisque là, on est dans le mode le plus simple, je pense. Alors, il y a 4 tours, on arrive déjà à la fin du Grand Prix. Je sais pas si on a marqué des points ou pas le fait de terminer 6ème. Sachant que j'ai pris la Sauber, donc normalement c'est une équipe en demi qui est très moyenne. Vraiment milieu de tableau, pas plus. Donc si on marque un point, ça sera quand même pas mal. Oh, on va dépasser sa retardataire. Non, c'est Minardi qu'on a dépassé, qui a déjà pris un tour en l'espace de 4 tours. Ça, c'est pas normal. Voilà, course rapide dans le classement final. Alors, j'aime bien la sobriété, honnêtement, et je trouve que ce jeu en fait une bonne démonstration. On a un classement, il est complet, on voit même les abandons, on peut défiler, ça va vite, les temps de changement sont plutôt rapides, ça c'est quand même une bonne nouvelle. On a beau être sur le format DVD, à l'époque, c'est pas pour cela que les jeux chargeaient plus vite qu'avec les clés CD. Hein. On avait certes une vitesse de lecture plus rapide, mais comme le contenu était aussi beaucoup plus grand, eh ben, ça faisait kiff-kiff avec un lecteur de CD de l'époque. Et donc c'est Barrichello qui a remporté la course devant Frenzen, Häkkinen, Coulthard, Schumacher et Mika Salo. Et donc là, c'est on a eu 4 abandons. Alors on va faire recommencer, on va voir si on marque des points pour la suite, et si on débloque des circuits, ou s'il faut la gagner. Dans le cas où il faudrait le gagner, je pense qu'il va falloir choisir... il va falloir choisir un autre pilote. On voit ici, on a meilleure place 6ème, 1 point. Ah, par contre, il me dit total, j'en ai 0. Donc ça veut dire que je ne peux toujours pas... Ah si, j'ai 1 point. Voilà. Si j'ai par exemple, je marque 2 points, par exemple la Monza ou un peu plus, je pourrais normalement débloquer Imola, etc. Ce qu'on pourrait faire... On va juste changer de circuit. On va tenter par exemple, pourquoi pas, aller au Hockenheim. Ah, par contre, je voulais changer d'équipe. On va revenir en arrière, on va changer d'équipe, je pense, juste après. Je vais faire start. On va prendre la Sauber, on va prendre une autre équipe. On va prendre une... Pourquoi pas une Ferrari, allez. On va leur faire un peu honneur. On va faire quitter la course. On va revenir. Et on prendra la Ferrari de Barrichello ou de Schumacher. On va faire retour. Voilà, on va prendre... allez, pourquoi pas. Schumacher. Et on verra du coup si la Ferrari est bien plus rapide que la Sauber. Bonjour, nous sommes à Hockenheim, un circuit long de 6 800 km. Mika Häkkinen a eu un terrible accident ici l'année dernière car l'un de ses pneus arrière a éclaté à plus de 320 km/h. Hockenheim est un circuit impressionnant, notamment à cause de cette forêt qui entoure les trois quarts de la piste. Michael Schumacher est très encouragé et on compte beaucoup sur lui ici à Hockenheim. Place maintenant au Grand Prix d'Allemagne. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a Fisichella qui fait le deuxième temps. On a De La Rosa 4ème, alors certes les Arrows étaient plutôt rapides en ligne droite en 2000, mais c'est quand même un peu exagéré. Wurtz, je vois pas trop d'anomalies derrière, alors c'est qu'on a le Schumacher, par contre Barrichello partira 17ème. En soi il avait gagné la course, donc en fait on aurait peut-être dû prendre Barrichello. Allez, c'est parti. Départ, ouh là, ça a glissé un petit peu derrière. Les petits effets, vous l'avez vu. Oh, on s'y mise entre les voitures. Et du coup, petite chose déjà un petit peu dommage, il n'a pas gardé les réglages que je lui ai donné. Il m'a affiché les flèches. Ce qui est un peu étonnant. Il me semblait que j'avais validé ce choix. On est en 7ème, on est à 280 km/h. C'est pas très rapide en soi. Je trouve qu'on est un peu bridé en ligne de vitesse de pointe, 290. Je suis bridé à 290 à Hockenheim. Ça, par contre, c'est très bizarre. Alors, on va rechanger un peu la vue pour voir un petit peu ce que ça donne en vue du dessus. On est déjà 10ème, on a gagné énormément de place.
La Ferrari de la saison 2000 que je trouve particulièrement belle en vrai. J'avais pas trop aimé le nez plongeant la version 2001. Celle de 2000 est encore un peu à l'ancienne. Et niveau couleur, elle était pas mal avec son aileron avant blanc. Alors on va dépasser la BAR. Bon, déjà 8ème. Alors certes, on n'a pas de vue en intérieur cockpit, mais bon, comme on voit quand même le casque, on voit quand même le volant, et on est juste là-dessus, ça passe, ça reste une bonne vue. Je trouve que c'est une des meilleures vues en fait en Formule 1, c'est vraiment celle-là. Parce qu'on a l'effet de vitesse, parce qu'on est quand même pas au-dessus de la voiture. Et on n'est pas trop bas non plus, du coup on a une bonne visibilité. En fait, je voulais juste remettre... je voulais juste changer la... Je voulais juste mettre la vue arrière et je me retrouve à changer de vue à chaque fois. Oui, la direction très très vive. Et on a fait le meilleur tour en course. Par contre, qu'est-ce que c'est plat niveau ambiance? Écoutez-moi ça, je vais me taire un petit peu. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est pas incroyable, hein, vraiment. Hein. Enfin, il n'y a pas d'ambiance dans ce jeu, c'est un petit peu dommage. Alors, on a les pneus, vous voyez, qui se sont salis. Ça, c'est bah, c'est bien fait. Il n'y a rien à dire. On entend le son du vent. Ça renforce le côté... ennui que l'on peut ressentir à ce moment-là. Et là, on va remonter sur la Jordan 2, je ne sais pas quel est ce pilote. Par contre, c'est quand même étonnant, je n'ai quasiment... Enfin, j'ai rarement besoin de freiner dans ce jeu. Le frein moteur fait vraiment de l'affaire à chaque fois. Allez, on est cinquième. Après, je vous propose de lancer un championnat pour voir un petit peu d'autres circuits, notamment Melbourne, et voir s'il y en a d'autres options de réalisme. Et là, on est quatrième maintenant. Mais en forme de flèche, c'était long avant. Classement après le tour, il y a 4 tours à faire. Coulthard, Felix, Kin, Schumacher, Trulli, Herbert. Ah, c'est quand même beaucoup plus simple avec cette vue. C'est un petit peu trop lisse. Voilà, c'est le seul défaut que j'aurais à faire au niveau des graphismes. C'est très très lisse. Il y a pas de problème, je veux dire, il n'y a pas d'effet. C'est à la fois... ça permet d'avoir un bon framerate, hein, concrètement. Mais je sais pas, ça manque un peu de folie. Ils en ont pris un peu plus après. Voilà, j'ai quasiment pas ralenti. On reste quand même dans un jeu très arcade pour le moment. On va voir après dans un week-end en mode simulation ce que ça donne. On va revenir sur la Benetton de Fisichella, qui a une bonne relance d'ailleurs, on le voit là. Alors après, les tracés sont plutôt bien faits. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Ils sont plutôt bien modélisés. En tout cas, ceux qu'on a essayés sont assez fidèles aux tracés réels. Alors toujours, pas de données GPS, donc les dénivelés sont pas forcément justes. Mais pour le reste, ça rend bien. Alors on va voir un petit peu si par exemple, les options d'affichage, on met... Voilà, on a 100, on a la télé, la faux écran, on peut mettre 100. Si je mets 100, je sais pas ce qui se passe. Format normal, et vous voyez le format 16:9, c'est un peu comme ça, c'est encore plus réduit. On va faire un retour. Ah voilà, ça enlève l'affichage qui est au-dessus de nous. Donc là, on est complètement immergé. Je vais même changer la vue si vous voulez. Voilà, l'immersion est totale. Quasiment, on a que la vue télé. Enfin, les infos télé.
Oula, j'ai glissé. Et du coup, maintenant, on va s'attaquer à Coulthard devant nous. Maintenant dans le jeu, puis ça, puis on comprend un petit peu les trajectoires. Il m'a rattrapé d'un seul coup, la Coulthard. Il y en a déjà, on est déjà en train de prendre un tour. Regardez, à la Minardi qui est vraiment au ralenti. Est-ce qu'on peut le prendre à fond? Allez, on le tente. Ben ça passe. On peut prendre la chicane à fond. S'ils avaient vraiment pu le faire à l'époque à fond, ça saurait. Ah, on va se mettre une petite vue encore plus proche du sol pour avoir l'effet de vitesse. C'est fou quand même, hein. Le jeu est très très est plutôt bon en soi, mais il n'y a pas d'ambiance. Il n'y a pas d'ambiance. C'est décevant à ce niveau. Vraiment. Vraiment, alors je sais pas ce que ça va donner en mode championnat. Peut-être qu'il y aura des commentateurs, peut-être que ça rendra beaucoup mieux. Là, par exemple, on a 11 points. Donc normalement, j'ai débloqué jusqu'à Barcelone. Du coup, on pourra tester notre circuit. Mais on va faire retour. Et on va du coup aller dans le type de championnat. Et là, vous voyez, on a Grand Prix saison fictive ou saison 2000. On va prendre la saison 2000, bien sûr. On va changer un produit d'une équipe un peu plus moyenne. Pourquoi pas une Jaguar, tiens. Allez, on pourrait prendre par exemple la Jaguar d'Irvine. Ou une Benetton, on va voir. Allez, on va prendre une Jaguar. Cette fois-ci. Jaguar, l'ancêtre de Red Bull, hein, puisque Red Bull avait racheté Jaguar. Elle-même l'ancêtre de... ayant commencé à être Stewart. On va prendre Irvine. Allez, c'est parti. Alors voilà, on a le niveau de difficulté, on va le mettre au maximum, j'ai envie vraiment de voir ce que ça va donner. 16 tours, peut-être pas exagéré. On bat 8 tours. On va remettre la pluie. J'ai envie de mettre aléatoire pour voir un peu ce que ça donne. On va garder la boîte. Les dégâts, on va les mettre en... On va mettre avec. Niveau de réglage, moyen poussé. On va mettre poussé, on va mettre au maximum. Pas de flèche d'edge. On va mettre les pannes, oui. Pour les pénalités, on peut les mettre. Et du coup, on va avoir accès aux classes pilote, pardon, constructeur. On va faire un départ. Et on va voir un petit peu ce que ça donne avec un mode de jeu beaucoup plus difficile. Voir jusqu'où le jeu pousse la simulation, en tout cas pour cette version 2000. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le circuit d'Albert Park à Melbourne. Comme à Montréal et à Monaco, il y a peu d'adhérents sur ce circuit qui n'est utilisé qu'une fois par an. Jenson Button fait ses débuts en Formule 1 ici en Australie et il sera intéressant d'observer son comportement face aux pilotes plus expérimentés. Mika Hakkinen aborde la saison avec une motivation énorme, celle de remporter le championnat du monde des pilotes pour la troisième fois consécutive de sa carrière. Michael Schumacher sera à coup sûr le plus grand rival d'Hakkinen, car l'Allemand, double champion du monde, est en très grande forme, et tout comme le Finlandais, il ne vise qu'une seule chose, une nouvelle couronne mondiale. Ferrari espère bien rester cette année encore au sommet de la Formule 1. Le champion du monde des constructeurs est plus que jamais déterminé à se battre jusqu'au bout pour conserver son titre. Jaguar fait ses débuts en Formule 1 ici en Australie, et avec le transfuge de Ferrari, Eddie Irvine au volant, la saison s'annonce déjà passionnante. Nous allons, j'en suis sûr, assister à un Grand Prix d'Australie passionnant. Belle introduction à ce championnat 2000. En tout cas, on va faire X. Alors là, c'est marrant parce qu'on peut directement choisir, voilà, une fois qu'on est sur la piste, on peut directement faire des essais libres, des qualifications, voire même course. On va faire la qualification. On va pas perdre trop de temps. Donc c'est parti. Séance de qualification. Temps restant 1 minute, ok. Donc on peut voir le classement. Classement provisoire, donc pour l'instant il n'y a personne. Option des stands. On peut faire continuer la partie, tour chronométré en piste, continuer la partie. Par contre, on peut faire les réglages, voilà. Donc ici, on a le réglage de l'appui avant-arrière, donc on va le faire. On peut choisir assez élevé, moyen ou assez faible.
Je vais mettre assez élevé. Parce que je pense que c'est un circuit qui demande quand même pas mal d'appui. Boîte de vitesse, on va le garder en moyen. On va laisser le freinage, la partition comme il faut. À l'avant, à l'arrière. Qu'est-ce que c'est ça? Avant, la partition des freins. Milieu avant, milieu arrière, ok. Plutôt milieu avant. Avant, moyenne, ok. Pas mal de réglages. Et en plus, c'est assez simple. Je trouve honnêtement le système de réglage basique. Mais au moins, on comprend tout. On sait ce qu'on modifie, on sait ce qu'on, enfin, ce qu'on change. C'est plutôt. C'est très sobre. Vraiment, ce jeu, c'est une ode à la sobriété. Voilà, on est loin des jeux actuels. On va faire du coup tour chronométré en piste. C'est parti. Donc là, en fait, si on fait en piste, on sort, on va faire un tour de lancement et après, on fera un tour chronométré. J'ai choisi de faire un tour en piste parce que bah, on va voir ce que ça donne ce circuit en réel avec le maniement en mode moins arcade. Enfin, apparemment. Bon, le maniement est le même en fait, je dis ça, mais le maniement n'a pas bougé. Ce qui va changer, c'est la difficulté de l'IA. Et potentiellement, ben, on verra si la pluie a un impact ou pas. Et donc, bienvenue à Melbourne pour cette première course de la saison. Je vais me taire, on va profiter de ce petit tour avant de lancer le tour qualification. Alors, ce que j'ai oublié de faire, excusez-moi, on va faire option de course. On va quand même afficher un peu l'affichage. Voilà, info à l'écran minimum, panneau TV avec. Voilà, on va quand même garder ça. Et déjà, je vais attirer votre attention sur le premier secteur qui, je trouve, manque de détails. Alors, c'est un paradoxe par rapport à la version PlayStation. Il y a plus de détails sur la version PlayStation, du coup on reconnaît mieux le premier secteur, je suis parti en tête à queue. Et vous voyez, quand on va dans l'herbe, eh ben, ça réagit ben, comme en vrai. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. L'effort a été fait d'avoir au moins ce niveau de réalisme. Allez, c'est parti pour un tour qualification. Malheureusement devant nous, on va avoir... potentiellement quelqu'un qui va nous gêner. Quoique je crois que c'est une Jordan, donc peut-être que ça sera. Ça peut être un beau lièvre. Ah, c'est ça, c'est une Jordan Miguenonda. Jordan Miguenonda, la fiabilité plus qu'exécrable. Voilà, c'est surtout cette portion-là que je trouve pas très réaliste. Normalement, on a des arbres qui sont un peu au-dessus avant d'arriver à cette section. Et là, ils y sont pas. On peut prendre la chicane à fond, donc on reste dans de l'arcade. Malheureusement, vous avez pu le voir, on est arcade. Dans le maniement, c'est dommage. C'est un jeu qui aurait mérité d'avoir un peu une dose de simulation en plus, notamment sur le grip à l'accélération. Et j'irais même le grip dans les virages, parce que là, bon, certes, j'ai mis des ailerons, mais je suis pas censé pouvoir aller aussi vite quand même. Bon, j'ai perdu le temps dans la ligne droite. En revanche, c'est pas bon. Une 24. On va faire un dernier tour pour voir si on peut améliorer, et puis après, on va lancer la course. Déjà 30 minutes de vidéo. Ce qui serait vraiment bien pour nous, ça serait qu'il pleuve pendant la course. Histoire de tester un petit peu le réalisme sous la pluie et voir aussi les effets d'eau, pourquoi pas. Peut-être que le jeu est très bien fait. On se souvient que la version console, par exemple, de Fun Challenge était beaucoup plus aboutie au niveau de la pluie que la version PC. Qui elle avait bah, de l'eau qui était très mal faite.
Alors je sais pas si je suis en avance sur mon tour ou pas. Alors, je pense que oui, je vous avoue, j'ai du mal à lire 4 dixièmes d'avance pour le moment. On a même la prose qui est plus rapide que nous. J'ai peut-être mis trop d'ailerons, hein, c'est possible. Ah oui, bon, voilà, ok. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et on part à la faute malheureusement, et ça ne sera pas une amélioration pour nous. On va du coup rejoindre les stands. Et il reste 55 minutes de qualification. On va du coup passer la séance. Très très bien réalisé. Hein. Je le répète, les 3D, les choses sont parfaites. Voilà. On est sur PS2 certes, mais je trouve que le IFA à la marche arrive à rentrer au stand. Très bien fait aussi. Alors on n'a pas les... On voit pas les mécanos autour, bon, ça me paraît jusqu'à ce point-là. On va faire option des stands. On va faire continuer la partie. Est-ce que je peux accélérer le temps? J'ai pas l'impression. Par contre, ce qui m'embête, c'est que je suis en 1.24, gêné en 1.20 et Mazakan en 1.20. Est-ce que ça va pas me sortir de la qualification? C'est peut-être pas bon, hein. Donc on va faire quelque chose que je ne m'attendais pas, c'est régler la voiture et on va mettre les ailerons moyens pour avoir un plus de vitesse et on va du coup lancer un temps chronométré à nouveau. On a déjà fait 5 sur les... On est au 5ème tour des 12 tours autorisés. Je rappelle qu'à l'époque en 2000, il y avait 60 minutes de qualification et on a le droit de faire 12 tours maximum. Durant la séance, je m'adresse aux plus jeunes évidemment qui n'ont pas connu ces saisons. C'est vrai que quand on avait créé la chaîne à l'époque, ça restait encore frais, mais là maintenant, plus de 10 ans sont passés et c'est pas forcément quelque chose qui est resté dans les mémoires. En tout cas, pour tout le monde, ou ceux qui n'ont pas connu la F1 à cette époque. Alors j'ai changé du histoire d'avoir d'être le plus efficace parce que là on joue quand même les qualifications. Les 107% sont là. On a gagné un peu de temps mais c'est pas énorme. On va faire, faudrait gagner une seconde ou deux quasiment. Hein. J'ai vraiment du mal à prendre ce dernier virage. Allez, par la ligne droite, 18-19. Ouais, quatrième temps, je pense que ça peut suffire. On va faire fin de séance. Et on va voir si on a passé le cap des 107%. On est dernier. Au moins, le jeu est difficile à ce niveau-là. On a fait... Bon, on a pu faire un tour meilleur. On n'aurait pas fait d'erreur dans le dernier secteur, je pense qu'on pouvait faire un 19 comme les autres. Par contre, ouais, on est quand même dernier. On est en difficile, c'est logique, pour moi ça me paraît normal. On va vérifier que l'hierarchie soit assez cohérente. Akinen, Coulthard, Schumacher, Barrichello, Frenzen, Trulli, Villeneuve, Fisichella, Salo, Ralf Schumacher, De La Rosa. Ok, bah je trouve qu'on est plutôt bon. En tout cas, on va faire le warm-up, on va faire la course directement. Et on va écouter Monsieur Jean-Louis Moncey. Enfin, je pense. Avant que les choses sérieuses ne commencent vraiment, petit rappel de l'ordre des pilotes sur la grille. Auteur d'une superbe pole position, Akinen. À ses côtés, en première ligne, c'est David Coulthard. Michael Schumacher occupe la troisième place. Quatrième, Barrichello. Frenzen est cinquième au départ. Trulli occupe la sixième place. Jacques Villeneuve est septième. À ses côtés, en quatrième ligne, c'est Fisichella. Neuvième et auteur d'une belle... On va juste voir s'il parle de nous ou pas. Salo, étonnant de dixième position, Ralf Schumacher. De La Rosa est onzième au départ. À ses côtés, en sixième ligne, c'est Jos Verstappen. Hetfeld tient la treizième place. Quatorzième seulement, Alexander Bourg, 15e position, Ricardo Zonta,
accompagne en 8e ligne. En 17e position, allez. 18e position, Marc Chenet. Diniz est 19e. En 20e position, Gaston Mazzacane. En 21e position seulement, Jenson Button. 22e position, c'est peu encourageant, Irvine. Le grand moment est venu. Allez, c'est un peu encourageant, bien de le dire. On a patiné un peu. Je rappelle qu'on a les dommages, donc il va falloir faire attention. Oh, attention, on s'est fait toucher derrière. Hop, 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 regardez devant ce qui s'est passé. Oh, le carton. Alors, attendez, apparemment, je peux faire triangle, je crois. Oui, je peux faire triangle. On va revoir le départ. Hein. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est assez incroyable. On a une Sauber qui nous a fait... qui est arrivée en mode missile au premier virage. On va voir, la Sauber, elle est sur le côté. On va voir ce qui s'est passé ici. Ah oui, du coup, elle se retrouvait à l'intérieur. Pouf. Ah oui, l'accident... Alors, j'avais pas l'accident bête, mais un petit peu quand même. Alors du coup, de notre côté, est-ce qu'on a eu des dégâts? Non, on a de la chance, on n'a pas de dommages. Par contre, ouais, on a vraiment pris... On a vraiment eu chaud, là, ce départ. Du coup, on est dernier, enfin avant-dernier. On va voir si on peut remonter en rythme maintenant. Il y a 8 tours, hein, on l'a dit. Je pense qu'on a quand même peut-être un rythme pour pouvoir pas finir en fond. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas des bons réglages, je sais pas pourquoi. On va freiner un peu à l'intérieur. Oh là là, on a touché. Et on a cassé les ronds. Et ben du coup, voilà, la course aura été très très courte pour nous. On va se retrouver à rentrer au stand dès le premier tour. Alors, ce qui est marrant, c'est que je peux quand même tourner, même si j'ai plus de ronds avant. Alors on tourne moins bien quand même, je précise. Mais on tourne encore. Eh ben bravo, une belle antenne de championnat en tout cas. Allez, on va. Ouf. Alors l'effet de brume est bien fait. Oh là là, on a tapé. Eh ben voilà, on nous a complètement rentré dedans. Par contre, étonnant, c'est qu'on a pris un énorme choc... sur l'arrière et on n'a rien cassé alors que là on a tapé la Williams de l'avant et par contre là on a pris énormément de dégâts, ce qui est quand même assez bizarre je trouve. Alors comment se passe l'arrêt au stand? Est-ce qu'il faut appuyer sur des touches? Non, ça se fait automatiquement, on n'a rien à faire. On va tout remplacer, change les gommes, jusque là rien à dire. Par contre, que de temps perdu évidemment. On va voir si on ressort loin ou pas de la Sauber. Ça repart automatiquement, il n'y a rien à faire. L'arrêt est automatique, on peut même pas faire de changement, de réglage, etc. Je dirais pas que c'est une mauvaise nouvelle, mais un petit peu quand même. Et allez, on repart dernier. On repart dernier, on va changer un petit peu la vue. Pour se remettre en vue plus réaliste. C'est même pas l'écart que j'ai avec le dernier. Je pense qu'on doit avoir une bonne dizaine de secondes d'écart. Par contre, je suis désolé, mais la vue la plus pratique, ça restera celle-là. Ah, les abords du circuit sont un peu vite, c'est dommage. Je suis pas sûr qu'il y ait la pluie. Bon, en tout cas, l'IA... C'est pas trop ça, vous avez pu vous en rendre compte, hein, avec le deuxième accident, enfin l'accident de notre stand. J'ai complètement coupé. Heureusement qu'on n'a pas mis les drapeaux. On va voir du coup si... Si on peut faire un bon tour. Alors là, on voit pas les temps au tour, malheureusement. Donc, je sais pas si j'ai fait un peu mieux ou pas. J'ai même pas de classement. Je sais même pas si je suis en train de rattraper... On est 21 sur 22. C'est-à-dire qu'il y a dû avoir un abandon, par contre, devant. Mais on n'a pas de commentateur pour nous dire X a abandonné ou Y, c'est dommage. On en avait dans la 100 PlayStation. Hein. On en a spotter sur la 100 PlayStation 1.
Il nous disait ce qui se passait. Alors, on a un classement. Voilà. Schumacher, Hakkinen, Coulthard, Barrichello, Frentzen, Trulli. Et ça reste vide après pour le reste. On a 11 secondes de retard sur Jenson Button. On va voir si on peut remonter ou si on a vraiment un rythme mauvais. En tout cas, si on ne remonte pas, sans faire d'erreur bien sûr, hein, ça veut dire que le jeu a un niveau de difficulté, en tout cas si vous avez une Jaguar, qui va être très compliqué. Et ma foi, pourquoi pas. On pourra faire la comparaison dans les tours suivants. Dernier tour, j'ai fait une 20. Il a fait une 17. Donc je suis pas sûr qu'on soit en train de revenir sur lui. Alors, lui mettre l'écart sur Schumacher, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'on se doute bien qu'on est à l'autre bout de la planète, là, par rapport au leader. Attention, oui. Ouh, ça commence à glisser quand on est sur l'herbe. Bon sang, je le redis, mais quelle austérité ce jeu! On sait, il doit avoir peut-être 400 lignes de dialogue, mais il n'y en a aucune qui se situe en course, malheureusement pour nous. J'ai fait une 22, il a fait une 17. C'est-à-dire que je ne reviens même pas sur Button qui. Ah non, c'est Barrichello qui est 20ème! Il a dû se passer quelque chose. Alors, j'ai pas l'impression que le temps évolue pour le moment. Ouais, 17 secondes sur Button. Ça veut dire que je perds 3 secondes quasiment par tour sur le dernier. Je sais pas comment, je sais pas quoi dire à ça, à part que ça me paraît totalement injuste en soi. Là, pardon, je ne fais pas d'erreur. J'ai pas un rythme, certes, aller le plus rapide du monde, mais quand même, quoi. Enfin, je suis pas mauvais non plus. Prendre 3 secondes comme ça, c'est un peu lourd. Secondes de Zonta, on va rattraper la BR peut-être. À moins que les écarts soient totalement anarchiques, comme c'est le cas des fois dans certains jeux de F1. En tout cas, on sera pas dernier, merci Zonta. Et il y a encore un abandon puisqu'on est 19ème. On aurait dû être 20ème, on est 19. Cassalo à 21 secondes, c'est vraiment énorme. Alors certes, on s'est arrêté au stand, on en a perdu au moins 20 secondes dans l'histoire. Mais quand même. Bon, de toute façon, on va aller jusqu'au bout, histoire de voir s'il y a des animations peut-être pour le vainqueur ou autre. Bon, en tout cas, pour savoir ce que va dire Jean-Louis Moncey. Parce qu'il m'intéresse le plus pour le moment, je vous avoue. Il est en train de se faire drer par la Ferrari derrière nous.
Regardez la vitesse à laquelle elle est en train de revenir. Elle fait n'importe quoi, la Ferrari. Ouais, je ne fais pas d'erreur pour le moment. Regardez la différence de rythme. Alors, j'ai pas de drapeau bleu affiché, mais j'imagine qu'il va falloir que je laisse passer. Il me met une pression de tous les instants, le pilote allemand. Je sais pas si le jeu gère l'aspiration par contre. En tout cas, je peux pas avoir meilleur lièvre que Schumacher, hein, je pense. En train d'améliorer mes partiels grâce à lui. Je suis à fond, hein, je lâche pas l'accélérateur. Il me met un vent, mais incroyable. Ça veut logiquement dire en gros que si vous n'avez pas la voiture pour gagner le championnat en difficile, vous ne gagnerez pas. Je pense qu'on a fait un bon tour, là on va avoir le temps. À comparer avec celui de qualification, bien sûr. On a fait 19 dans le dernier tour. Physique à 18ème tournée quand même encore plus vite en 18-17. C'est incroyable le temps autour. C'était difficile, honnêtement. Schumacher, Hakkinen, Coulthard, Frentzen, Trulli, Ralf Schumacher, Verstappen qui manque le point chez Arroz pour une petite 7 dixième, pardon. Un tonne, salaud. Et du coup, on a Irvine, Zonta, Diniz, Barrichello. On a à peu près autant d'abandon que sur la 100 PlayStation classique. Par contre, en termes de difficulté d'IA, là, on n'est pas du tout la même, hein, parce que à comparer en mode difficile les deux. En mode difficile, avec la Jaguar, on aurait pu se battre dans le top 10, là. Alors qu'ici, on se bat juste pour ne pas se prendre 3 secondes au tour par rapport au dernier. Ce qui est un petit peu dommage. Avant de quitter l'Australie et de vous donner rendez-vous au Brésil, jetons un coup d'œil au classement du championnat du monde. Michael Schumacher prend la tête du championnat du monde des pilotes. Mika Hakkinen est au second rang, tandis que le troisième est occupé par Coulthard. McLaren prend la tête du championnat du monde des constructeurs. Ferrari est deuxième devant Jordan. Eh bien, on va s'arrêter là. Je pense que ça suffira pour cette fois. Que dire en résumé du jeu? Il y a des bons points. Je trouve qu'il y a une base qui est assez stable, en vrai. Par contre, le comportement des IA est un petit peu erratique, je trouve. La difficulté... Ouais, je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter, c'est quand même compliqué. Avoir avec une voiture un peu rapide, hein, potentiellement, si j'avais pris une Ferrari de McLaren, j'aurais pas eu ce problème-là. Mais là, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Le maniement, pas fou, et le manque d'ambiance totale qui fait que, je suis désolé, mais j'aimerais bien ne pas m'ennuyer quand je joue à un jeu de F1. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.